La semaine dernière, nous avons joué les Français qui établissaient une tête de pont au sud de la province. Via France. Donc la mission a été un franc succès. Donc aujourd'hui, nous incarnons l'armée irakienne. Et notre but, ça va être nous aussi établir en quelque sorte une tête de pont dans la zone afin de prendre ce qui reste de l'islamisme entre deux fronts. Donc pour ce faire, je vous ai fait ouvrir votre carte. Nous sommes installés dans un campement non loin du village de Nur. Ce village a été sécurisé par les forces spéciales durant la nuit. Donc vous devrez traverser le village pour vous diriger vers le village de Nagara dans un premier temps. Ce village est fortifié, très peu, il est très peu fortifié, peu de contacts ennemis sur zone repérée. Donc là, vous n'aurez pas trop de difficultés. Une fois le village sécurisé, vous devrez vous diriger vers la ville de Rassman et de sa base militaire, aéroport compris. Sécurisez tout ça, et là, ça représentera un véritable challenge parce que ils sont vraiment regroupés sur cette position. La position est fortifiée, donc vous aurez des calibres 50, lance-roquettes fixes, d'autres blindés, autres conneries du genre. La difficulté aujourd'hui, donc dans un premier temps, ça va être ça. Et on s'attend, sûrement, vu que c'est un terrain assez avec beaucoup de collines, etc. On attend notamment quelques embuscades le long de la route. Donc ouvrez bien l'œil lorsque vous vous déplacez. Donc, la marge de manœuvre, vous faites ce que vous voulez tant que les objectifs sont accomplis. Donc si vous décidez de sécuriser des maisons supplémentaires sur votre route, ça vous regarde. Si vous voulez pas, imaginons si vous ne la sécurisez pas et qu'il y a un ennemi dedans et qu'il vous rattrape après pour vous tirer un coup de RPG dans le cul, c'est votre problème. Donc vous faites comme vous le sentez, enfin comme le commandant le sent. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Je C'est qui le t'écoute. commandant? Zéro. D'accord. Et les civils? Ouais, des civils sur zone comme d'habitude qui n'ont pas voulu fuir la combat et rester chez eux, donc attention à votre tir. Il n'y en a pas dans la base militaire. Alors, dans la base militaire, il n'y en a sûrement pas. On est sûr que le village de Nur est sécurisé? Affirmatif, on a refait une patrouille il y a encore environ 1 heure, il n'y a aucun signe d'activité ennemie. Est-ce qu'on a un quelconque support aérien, drone? Négatif, nous avons un hélicoptère qui a été prêté par les Américains pour effectuer des vagues de renfort. Comme d'habitude, les réparations, c'est sous certaines conditions, donc un objectif accompli ou si je suppose que la situation est stable, donc éviter de mourir comme d'hab. D'autres questions? Bah, par les radios, non. Donc, on va revenir aux radios. J'invite tout le monde à aller près du shop, tandis qu'ici, je veux le commandant et les chefs de groupe. Eh, barrez-vous les paysans. Oh, tu me parles meilleur. Bon. Les fréquences radio additionnelles. Snow, t'es là? Il est pas là, tant pis. Je vous invite à ouvrir votre radio. Donc, corps porté. Donc, vous êtes en canal 1 normalement. Vous avez donc la fréquence de votre escouade dessus. Oui. Donc, en bas à droite, vous avez donc la petite touche plus et moins. Donc, si vous appuyez sur le plus, ça vous fait canal suivant. Là, vous passez en canal 2. Là, vous vous réglez en courte portée, donc sur la fréquence 100. En C2. Oui, C2, vous mettez 100 fréquence. On est sur tout le monde prêt. Ouais, c'est fait. Ouais, c'est bon. Ok. Ensuite, vous appuyez. Gardez la radio ouverte, hein, c'est pas fini. En bas de la radio, donc vous avez la petite flèche de gauche, canal supplémentaire prévu. Vous cliquez dessus C'est et quoi vous la passez en radio que je channel vais prendre? A2. Une fois que Oui. c'est fait, réappuyez sur la touche moins pour revenir sur canal précédent. Et là, vous êtes en Oui. C110. Donc en bas, ça marque normalement fréquence 110, par exemple, les canaux supplémentaires prévus 2. Si vous changez de channel. Donc vous appuyez sur Caps Lock, ça va faire une transmission à votre escouade. Et si vous appuyez sur la touche T, ça va vous transmettre en canal additionnel. Donc pour le Très chef de stylé. groupe. Ouais. Attendez, on va faire un tâche chacun notre tour pour être sûr que tout le monde s'entend parce que la liaison avec toi, Blackheart, c'est Zidro qui est là. Ouais, c'est l'hydro killer Ah, c'est moi. en 4DA. Oh putain, merde. Vas-y, Larouille, fais un test. Ok, test canal additionnel. C'est bon, vas-y, Mikian. C'est bon. Nickel. Ouais. Test. Ok.
Test. Non. Yot. Non. Non. Ah bah bien joué. J'ai bien fait de le faire parce que... qui est exposé d'ailleurs. Il y a un lapin qui contrôle la route. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe ? C'est un lapin sacré. Le mec il fait des allers-retours, regarde. Là par contre j'entends aucun bruit. Il est effectué son inventoire activé. Ah ouais. Ça y est. Bon. Tu vois que t'as lancé l'arme après. Il va finir en jeu. Le petit coup. Allez, c'est bon. On va progresser vers la ville. Dis-moi que c'est pas l'escouade anti-char qui s'est fait anéantir. J'en sais rien. C'est juste qu'il y a une escouade qui a perdu plein d'hommes. J'ai un contact à droite, dans la forêt. Azimut. Avant de tirer. Parce qu'on a des alliés là-bas. Ah, remarque, ils visent vers la ville. Ah non, c'est bon, c'est des alliés. Faites bien gaffe à Pateka, donc. On a des alliés sur le sud-ouest. Il y a un type, on voit deux types dans le marché. Là, on voit les gars. Les gars, je les vois. Bien joué. Ok, faites attention. À ce côté du mur, il y a un bâtiment avec une porte ouverte, donc on va foncer directement sur ce bâtiment là. Il est juste derrière l'autre bâtiment.
Civil, ça bouge là-bas. C'est la civil, il court. Ok, je suis sur le troisième étage. Si vous voyez un gars noir, c'est la civil. Ouais, civil avec un chapeau, je vois ça. Ok, c'est bon. On peut sortir. Ok, on va se diriger vers, vers la mosquée. C'est bon, c'est clair? Ouais, c'est bon. Descendez pas. Oui, il y a un civil. Ah oui, non, c'est un civil. Mais c'est un civil, tire pas, hein. T'as un gars qui est mort là à gauche. Ouais, j'ai vu ça. Dans le minaret. C'est, il avait des RPG, je crois. Ouais, va checker. Ah, il est bugué. Il est coincé dans un bug. On vous suit Alpha 4. Voilà, préviens Blackheart. Et comment je fais? Bah, sur Steam. Le gars, il a dit... On s'est arrêté. Oh, nickel. Parfait. Parfait. J'aime bien, c'est marqué pas trop de difficultés sur le premier objectif. Ouais, bah je sais pas, on m'a juste dit qu'il y avait une escouade entière qui avait pris cher. Beaucoup de monde a pris cher. Ouais. On a eu quelques contacts, ouais, 4-5 sur. Par là où on est arrivé. Nous on en a eu un qui était dans la rue, mais vous l'avez flingué entre temps. Oui, c'est lui qui était allongé. Du coup, faudrait voir si tout est sécurisé, si on pourrait pas avoir les renforts. Le gars que j'ai vu là devant, c'est allié ou ennemi? Bah, analyse le. Il reste un 4. Là, un ennemi. Tu es par où, je suis désolé. Checker quand même les petits bâtiments à côté. On sait jamais. T'as eu peur. Ah, c'est ça de parole là. De chaque tech. Toutes les escouades et ses chefs de char, je sais pas si vous entendez en radio longue portée, les renforts arrivent avec des little birds. J'arrive pas à enlever ma... J'arrive pas à arrêter de marcher, je... Ok, mais après. Sur 7, mais justement, c'est ce que... Les gars, je vois du bon haut de la route, on va aller chercher les véhicules. La route qui monte vers le nord-ouest. Ils sont
Ah oui, pardon, annulez l'ordre, excusez-moi, c'était juste pour mon espoir, j'ai un bug. Bon. Ici Alpha 1-1, on arrive dans la ville. Ils arrivent, ok. Les escouades, vous pouvez vous embarquer. Bon, on ira dans le camion, hein, comme tout à l'heure. Bon. Allez, direction le camion. Ok, on prend le même la même formation que tout à l'heure. Allez, ouais, allez, on embarque, on embarque. Non, on a le droit d'en construire en Suisse. Pourquoi je peux pas rentrer? C'est un peu moins. Ouais, je pense qu'on l'a fait vite, ouais. Aïeul. Côté de Alpha 1-2 en couverture avec l'enfer. Est-ce que vous avez un bon poste d'observation? Affirmatif. Ouais. Je prie pour qu'Ilian n'explose pas, c'est notre chemin. On a misé sur le milieu. Des contacts à signaler. Okay. Restez sur position, on attend que un 3 et un 4 aient été sécurisés à l'autre position, puis on progressera. Tu la sens la mine nickel là. Eh, hey, je suis derrière Kylian et y'a pas de titre. Ah bah si, y'en avait. Bah, si tu prends, je prends moi aussi. Oui, c'est vrai que t'es derrière. Imagine, genre Kylian il décale son pied de 2 cm, il rate la mine et je marche dessus. C'est tellement drôle, putain. Ok, stop. Le mec de droite, tu sécurises les passes de BM. Et entre le vent là-dedans. Les autres, vous couvrez la zone. Ça s'est bien passé. Prenez place sur le deuxième muret. Merci Kylian pour ton passage. Apparemment je vois rien, y'a rien activé, y'a rien à voir avec le MCC, avec la GM, y'a rien. Non, il est bien mort. Ça ne fait pas des obstacles en t-shirt. Le de bas, il a l'air bien vide, y'a rien activé. Ok, en 3, essayez de progresser jusqu'au prochain bunker qui est sur la même crête. La mine. Sur le mur, hein. Ah, il est là. Il nous a demandé de progresser, tu restes ici. Zidrou, est-ce que FA1-4 bouge avec FA1-3? Affirmatif. Bien, assuré. Merci. On brave les mines, hashtag nos filles. Alpha 1-1 et Alpha 1-2, est-ce que vous avez des contacts? Ouais. Ok, Char, ah, reculé. Il a mis des dans le mur. Ok, non, on a les jeunes qui se connaissent. Il va retirer une roquette, cassez-vous, sortez. Le chat a reculé, on a la terre en face. On peut pas, on a les deux chenilles qui sont pétées. Les dégâts, ça se passe comment? Ah bah ok, ok, AT au sol. L'AT en milieu de la colline, on l'a take down. Point de vue des dégâts, ça se passe comment pour vous? On a les deux chenilles dans le rouge et on est blessé à l'intérieur. Ok, sortez et essayez de réparer le char et soignez-vous. Il y a une maisonnette là-bas devant. Tu fais le char, vous avez besoin d'un médecin ou pas? Ouais, ce serait bien volontiers. Ok, on vient de soutien. Char, apparemment, vous pouvez sortir, vous avez des chenilles de secours avec le menu AGM, donc utilisez-le pour le réparer. Ouais, pas de soucis. Pendant la cas, Cardoc. Mais maintenant que j'ai l'occasion. Pourquoi les bots ils ont 10 jumelles, c'est quoi depuis 5 ans? C'est pour eux. Oh, mettez-moi en position sur les murets à gauche. Et 1-1, essayez de progresser. À gauche. 1-2 négatif, on se rapproche du char, ils ont besoin d'un médecin. Ok, bien pris. 4 pour 1-3, on est sur ta gauche et on va progresser sur la bête de Sphinx en
suivez-moi. Ici Alpha 1-2 en attente d'ordre sur la position du bunker de gauche. De droite. 1-2 essaie de progresser sur les collines. Ok, à toutes les escouades ici, escouade de char, on a rien sur le char pour le réparer, il n'y a pas de, de chenille de secours. Attention, on va avoir des alliés, hein. On a un 4 qui nous suit. Faites gaffe, il y a une mitrailleuse là. Ouais, mais il y a personne dessus. Ils sont morts, ils sont pleins de nos dans la gueule. Il y a peut-être encore des mecs, donc faites attention. Ou des mines. Bah, le petit panneau, ça me fait peur. Pas vraiment être con pour mettre une mine à 2 cm. Ah, bah non. Attention, il y a un tout petit bâtiment en ruine. Je suis bon dans le jeu. Ok, 1-3, 1-4, veuillez arrêter de bouger. Restez sur votre position. Sécurisez là, on arrive. Et checker que personne soit dans le coma. Mmh. 1-2, est-ce que vous pouvez marquer la position sur votre carte? Ici 1-2, on est en mouvement, on pose notre position tout de suite ou une fois qu'on sera arrivé? Essayez de vous arrêter à au niveau de 1-3 et 1-4 et sécurisez la position en nous attendant. Reçu. Je l'ai aussi. Sécurisé et on tient au courant. Celui à la porte? Ouais. Affirmatif, mais n'avancez pas trop. Vas-y, mais sans faire honte. Bien sûr. J'étais trop sûr de rentrer. Vous avez posté sur 80.7 véhicule. Donc, attendez, avant d'avancer pas trop. Donc, des règles tout seul. Ok, j'ai un autre contact azimut 149 sur le toit d'une petite baraque. Ah, ici un 3, on a repéré plusieurs contacts dans le village. On a un très bon visuel. Tu tires dessus ou pas? Ok, c'était pas à vous de nous. D'accord. C'est quoi? Bah, moi je voulais rejoindre cette position dès le début. Ouais. Et en fait, on s'est arrêté au premier truc avec vous, puis ensuite on a avancé, on est parti sur la droite, on a couvert tout le côté droit. D'accord, ouais, d'accord. C'est ok. Non, pas grave. Par contre, on a une putain de position ici. On voit toute la vallée. Oui, là on voit tout. 1-2 ici, 1, on est en route vers votre position avec le vis pour soutien. Est-ce que vous pouvez marquer votre position sur la carte s'il vous plaît? Merci. Ouais, reçu, je fais ça. Ok, Charles, essaie de fournir un appui à 1-3 et 1-4. Sur le toit azimut 140. Ouais, pété. Fais la volonté pour le char et 1-3, 1-4. Ok, bien pris. 1-1 et 1-2, est-ce que vous avez un visuel sur les contacts? On a plus de signature thermique dans le village terminé. Salut, on a le village en visuel, mais sans pas si pourri que ça, c'est fusillé. Ok, bien pris. 1-1 et 1-2, vous progressez vers le village. Soyez prudents. 1-4 et 1-3, vous progressez aussi vers le village. Droit dans vous. Bien, ça marche. À gauche, venez les 1-3. Les trompettes. Cette balle de l'univers. Contact. C'est un civil, c'est un civil. Il y en a dans l'escalier, c'est bon, il est mort. Équipage de char, vous avez des signatures thermiques dans le village? Okay. On avance. Ok, prévenez-nous s'il y en a. C'est un gros bois, c'est ça? On a eu tellement... Non mais tu te rends pas compte, il aurait pu nous allumer, mais... Non, on était carrément à découvert, quoi. Bah ouais, mais on... Eh, hey, hein, je peux pas faire pop des murets. Pas encore. Tout de suite pour. On amènera une escouade de maçons avec nous. Vous avez...
on a pas de sapeur comme dans Little Day. On détecte une signature thermique, probablement un civil azimut 90, il est pas armé, terminé. 1-3, on rentre dans le village. Allez, go. Reçu 1-3, 1-1 et 1-2 en formation, on rentre dans le village. Ok, pour toutes les escouades, une fois que vous serez dans le village, sécurisez toutes les maisons. Char, vous avez la permission d'avancer jusqu'à une position qui vous plaît le mieux. Faites pas attention. On traverse la rue. F1-4 pour F1-3, on va sécuriser les maisons qui sont sur votre gauche, donc c'est terminé. C'est nous, 1-3, pardon. Pas l'idée de se mettre à terre. Bonjour. Ouais, c'est à gauche. Trop des alliés. Civil. C'est les touristes. Il y a des tirs, donc à mon avis, il y a des ennemis. F1-4 pour F1-3, on est sur votre gauche. On peut tarder à avoir tout sécurisé. Il y a plus une balle. Bien reçu. Reste dans le toit. Allez. On a perdu Rick. Rick est FK, il m'a demandé de TP sur vous quand il reviendra. Venez. Tu m'entends là? Ah, il y a FK, d'accord. Ça fait deux fois déjà que j'ai le coup. Déjà hier, hier soir aussi. Samedi dernier, pareil. Oh putain! Fait trop peur! Bah, moi donc! De Dieu, là. Bon, j'ai failli me faire tuer, mais je suis en vie. C'est bon pour nous, on a checké les bâtiments. Ok, bah prenez position dans un bâtiment. Ça va. Qui a possibilité de couvrir la rue et le char rejoignait la position de 1-3 et ici. De 1-4 au muret, qui muret. Sur la carte. Nickel. Mmh. Ça va, t'as rien repéré? Non, ça va. On a un bunker sur la colline juste devant nous. Vas-y, 1164. Ouais. Petit ce mur, dis donc, faut pas être gros. Hein. Ça n'est gros. Kylian, ça me semble le plus approprié. Donc vous voyez tous le marqueur alpha sur la carte. Oui. On va tous aller jusque là. Après, alpha 1-1 va aller au point 1, alpha 1-2 au point 2, 4-4, avec le char qui est toujours sur la route, prêt à fournir un soutien. Et vous allez essayer de progresser en ligne tout en sécurisant les maisons. Donc vous continuez tout droit, vous longez, vous restez dans la verdure, vous nettoyez tout ce qui se trouve à votre portée. Et comme ça, on progresse tout en sécurisant nos arrières jusqu'au point rouge, Razman. On sécurise la ville. Une fois là, on se regroupe. Et quand on est sûr que la ville est sécurisée, on ira sur l'aéroport pour le nettoyer. Juste une ouais. petite précision pour tous les chefs d'escouade, je vais lui dire en
car second téléphone. C'est pareil pour le char. Mettez l'heure exacte. C'est super pratique en fait. Si vous mettez par exemple Alpha 1-2, bah là il est 18h05. Si je mets 18h05 sur la carte, vous allez savoir que le point date de maintenant. Alors que si on met Alpha 1-2, on sait pas de quand est-ce que le point date. Donc c'est pas bête du tout. Pensez-y juste quand vous marquez votre escouade. C'est tout. Donc nous pour le char, le truc c'est qu'on reste le char, sur la vous route. Faites extrêmement gaffe parce que là c'est le truc à choper des roquettes. Ouais, restez quand même assez en retrait. Vous avez une liberté assez grande, donc si vous sentez pas une situation, vous pouvez reculer un peu ou même vous mettre à couvert derrière des bâtiments. Ça, c'est à vous de voir. Ouais. Donc, okay, ouais. Pas besoin de demander avant d'ouvrir le feu. Si vous êtes sûr à 100% que c'est pas une escouade alliée, bah, vous faites feu sans demander. C'est pareil pour toutes vos escouades, vous avez autorisation de faire feu à volonté. Voilà, et on reste bien en liaison radio. Essayez de marquer aussi régulièrement votre position sur la carte dès que vous avez un petit moment d'arrêt. Et avec l'heure, comme Kylian a dit, comme ça me permet de voir où vous êtes. Okay, bien. Donc on va y aller. On fait la même configuration de progression. Donc char, camion, MV. C'est parti. Alors, donc l'heure. À votre nouvel objectif et vous sécurisez la route. On va à gauche. Ok, Alpha 1-2, vous pouvez essayer toujours vers le nord-est. C'est que dans les bâtiments que vous croisez. Alpha 1-4, comment faire si vous pouvez aller sur l'objectif désigné si on sécurise pas les autres bâtiments sur les gauches avant? C'est impossible. Sécurisez les bâtiments à gauche et puis dirigez-vous vers l'objectif. Quoi ça? C'est quoi? Mais vous! Vous êtes. Mec, il vient courir entre nous deux quoi. Mais je pense qu'il voulait faire la paix. Bon bref, continue. Oh là là. Lui, je croyais que c'était là, contact par la fenêtre. Allez, on sécurise, on y va. J'ai reçu un tir. Ah ouais, j'ai entendu. Bon, j'ai reçu un tir dans la porte. Bah là je pense qu'on est bien parti pour avoir fini dans pas longtemps. On continue à progresser avec cette allure là. Bon, suivant le système. Allez, on y va. Miguel, je te regarde sur ta droite, tu devrais nous voir. On va progresser dans le village en parallèle. Attention, on est sur un toit là, ça déjumait. Bien sûr. RS à droite. Ils sont juste à notre droite. Le pistolet. On va prendre plus à droite. Attention.
Nord-Est. Il reste à droite. Les escouades, on arrive sur le même village que vous, enfin surtout avec pas un 2 et avec pas un 3. Attention, vous tirez, on arrive à KRS. Bon, nickel, on enchaîne. Ok, non, on part à gauche, tout de suite, 7-4. Ok, char, essaie de progresser un tout petit peu. À toutes les escouades, essayez de rejoindre les petits murets juste en périphérie du point à capturer. Ok, on est à 80 mètres de notre objectif. Va falloir me suivre. Allez, go. Char, je vous ai défini un objectif sur la route. Essayez de le rejoindre. Entre en position. On a perdu Rick. Ah, on n'était pas attentif. Il est mort ou pas? Oui, ouais, qu'est-ce, là, qu'est-ce qu'il l'a tué? Là, il non, non, mais lui il est mort, mais qu'est-ce qu'il l'a tué? D'accord. Putain, il avait un... Je crois que c'est ça qui l'a tué. Mickaël, oui. On va avancer sur ta droite. Ouais, et bah de toute façon, on va longer. Merde, ça claque. Déjà que c'est pas plutôt Alpha 1-2 qui l'a tiré dessus. Vous êtes dans la maison là? On est sur ta droite, Mickaël. On est dans un ensemble de maisons. Bien, ok. Il est mort. Suis-moi bien dispersé, on part sur la droite. Allez, rejoins-nous, Rick. On y va, Clara. C'est Saxon. C'est Saxon qui est mort. Merde. Ok, c'est bon. Char, progressez pas trop seul dans la ville. Ok, c'est un allié. Zidro, on a progressé, je te marque notre point sur la carte. Voilà, j'ai mon perso qui... Position d'Alpha 1-4 marquée sur la carte. Ok, Alpha 1-4, continue à progresser. Sur la droite. Okay, non, vous continuez toujours vers le nord-est. Une fois que vous atteignez la route, vous bifurquez à gauche. Ouais. Alpha 1-2, c'est pour sécuriser les bâtiments. Parce que Alpha 1-2, ils ont plus que deux membres. Pardon, 1-1. Alpha 1-2, vous continuez à progresser en ligne droite en sécurisant les bâtiments. Merci. Permission pour F1 4 d'aller sur le virage de droite. Ah, attention en face. Un contact ou un civil, j'ai pas eu le temps de voir. Non plus. F1 4, affirmatif. Contact.
contact est mort. Ah, je vois ça. Ok, on va traverser la rue et aller dans le magasin. Vous êtes parti vers la rue, c'est ça? Oui. Ok, t'es prêt? On va dans le magasin. Je suis là. Perso par contre... L'étage, vite fait. Vas-y, sécurisé. Tuez-moi. Ok les gars, après le QG il reste plus que quelques contacts dans la base militaire, donc on rentre, on nettoie et... On rentre à la maison. Alpha 1 en position pour attaquer. Ok, à tous les escouades on progresse vers l'aéroport. Allez. Le char tu passes en tête. On est partout. C'est encore okay, perdu. Ok, de char à toutes les unités en progrès. Vers la base. Il arrive. Rassure, reçu. Attention! Contact à droite là, allongé. Azimut, azimut. Pas à terre, il est mort. Un petit passage sous le mur à droite. Rien de l'autre côté, on peut rentrer dans la base. La même okay. Pour être un cadavre. Ouais, on va, ils vont le prendre. Non, on va s'occuper de. J'espère que vous fouillez les bâtiments. Attention à la caserne. On reste. TF derrière le mur. Qu'est-ce qui? Attends. Vas-y. Non, c'est bon, je pensais que le mur était ouvert. Mais fais gaffe à la droite, je pense qu'il y en a un qui est fermé. Je vais rester avec vous en fait, vu qu'on est plus vite. Ça marche. User in your channel timed out. C'est mal vacciné, c'est l'espoir. Ouais. Bon, je pense que c'est un ami en face, non? Oui. User left your channel. Ok. On va peut-être nous aider à sécuriser les baraques, on a pas mal. Non, il y en avait, il y avait un. C'est bon? C'est moi. Ok. Parfait. On part sur l'aérodrome. Bah, en fait, j'ai plus que moi, Eric. Ok, nice. Vas-y.